Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour HUVZ et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Neko Para Volume 1. Épisode précédent, je vous rappelle, on était parti s'équiper en matériel pour s'occuper de ces deux Neko Girls. 4 Girls, Neko Girls, ça marche mieux. Et donc, elles ont trop joué avec un jouet pour chat et elles ont fini à moitié mortes. Et donc, elles s'excusent. Désolé, maître, on s'est laissé un peu emporter. Même si on est intelligente et qu'on a du sens et qu'on a appris plein de choses, on peut facilement se laisser attraper par des jouets pour des 4 girls. Ouais, je vais l'accrocher dans la chambre, comme ça vous pourrez jouer autant que vous voudrez. Leurs yeux brillent quand elles ont vu le jouet dans le sac en plastique. Je pense que c'est quelque chose inscrit dans leur gène. C'est vraiment des chats. La vendeuse du magasin m'a dit « C'est comme ça que ça se passe après. » Ok. Maître, est-ce qu'on peut passer au drugstore ? Oui, j'avais pas prévu d'y aller, mais il y a quelque chose que tu veux ? Si on dit comme ça, oui, j'aurais quelque chose. Est-ce que c'est possible ? Je pense que si tu veux y aller, eh ben on va y aller. C'est bizarre que Vanille utilise des mots aussi flous pour parler de quelque chose. La dernière fois, je lui avais acheté un set complet pour ses cheveux. Je pense qu'elle a besoin de certains médicaments. J'ai besoin de certains médicaments, donc ça me fera pas de mal d'y passer. Bon, allons-y alors. Nouvel objectif, on doit aller au drugstore. Objectif ? Il y a beaucoup de choses aussi dans le monde des chats, tu sais. Ok, bah pourquoi pas. Peut-être que la vie d'une cat girl est pas si simple que ça. Bon, on est parti pour le drugstore. Qu'est-ce qu'elle va vouloir acheter au drugstore ? Menstrual pain ? Elle me demande ce que c'est que ce truc-là, mais je sais pas ce que c'est non plus. Ah, Seili ! Ah ! Elle demande ce que c'est que des règles. Est-ce que c'est quelque chose pour la douleur dans les muscles ? Elles sont très intelligentes. C'est un peu quelque chose comme ça, c'est un peu comme une douleur, mais... Tu peux parler moins fort, s'il te plaît ? Tout le monde se retourne pour me regarder dans le magasin encore une fois. Je peux pas être fâché contre son innocence, mais s'il te plaît, il faut que je comprenne la situation. Et pourquoi on va pas par là ? Il y a des médicaments par là. Coordination confirmée, elle me suit. Je vais suivre le maître. Ouais. Elle fait quoi, Vanille, pendant ce temps-là ? Il va se passer un truc, là. Ok. Au fait, qu'est-ce qu'on cherche comme type de médicament, maître ? On prend des médicaments quand on a mal ou quand on est blessé, non ? Est-ce que vous avez mal quelque part, maître ? Ce serait pas mieux si on allait à l'hôpital ? C'est que des médicaments pour garder à la maison, mais c'est gentil de t'inquiéter. Je rassure Chocolat, qui était collé à mon visage. Les médicaments qu'on garde à la maison, c'est le genre de médicaments qu'on achète juste au cas où on en aurait besoin à la maison. Et quand Chocolat avait de la fièvre et qu'elle avait mal, le maître l'a emmené à l'hôpital, non ? Cette fois-là, c'était normal. Chocolat est une cat girl, après. Et si tu avais juste attrapé un petit rhume, eh ben les médicaments du magasin le plus proche auraient dû suffire. Chocolat comprend. Il y a beaucoup de choses différentes à propos des humains. À apprendre à propos des humains. Elle prend plusieurs
boîte de médecins et regarde et les regarde avec admiration. Sur cette note, est-ce qu'il était possible que des catgirls prennent les médicaments des humains ? Il y a très longtemps, j'ai découvert que Chigulé avait des médicaments, il y avait chip quelque chose là-dessus. Je vois pas quel mot il essaie de chercher. Hein. Ah, en plus à côté, il y a un hôpital. Et s'il n'y a pas les médicaments qu'on veut dans le drugstore, on peut toujours aller à l'hôpital. Parce que au Japon, oui, on achète aussi souvent les médicaments style antibiotiques dans les hôpitaux et pas dans les pharmacies. C'est vraiment ce qu'on peut attendre de la civilisation des humains. Tout est fait pour être pratique. Alors ça, c'est parce que t'es au Japon, Chocolat. Hein. En France, tout n'est pas pratique. Oui, c'est à peu près ça. Je lui réponds vaguement. Oui, Chocolat. Elle a jamais été dans un hôpital pour humains avant, après tout. Mais c'est important qu'elle sache à peu près ce qu'ils sont, plus ou moins. Où est Vanille ? Ah oui, puisque vous en parlez, Chocolat, je la vois pas. Chocolat ne la voit pas. Avant que je m'en rende compte, Vanille avait disparu. C'est elle qui a dit qu'elle voulait aller au drugstore. Elle renifle. Ah. Chocolat sent l'odeur de vanille par là. Maître ? Par là, tu veux dire en dehors du drugstore ? Elle se retourne dans la direction où elle a montré du doigt et elle me monte vers l'extérieur. Elle pointe l'extérieur du doigt. Ah, voilà, voilà. Hein ? Cher Chocolat, tu m'as appelé ? Tout d'un coup, Vanille revient à l'intérieur du drugstore. Hé, Vanille, où est-ce que tu étais ? Je suis juste allé chercher quelques fleurs. Non, je veux dire... Tu viens clairement de l'extérieur du drugstore, non ? Je lui montre le panneau pour les toilettes à l'intérieur du magasin. Il n'y a pas de raison pour elle de mentir, donc... Au fait, c'est un chat. Ça ne veut pas dire que... elle... Hein ? Est-ce que serait-il possible que tu ne saches pas ce que c'est que des toilettes et tu es allé dehors pour faire pipi ? Oh ! Pervers ! C'est très mal poli de votre part, maître. Trop pervers. Tu es le pire. Saïté ! Quand une japonaise te dit saïté, c'est vraiment qu'il faut mal le prendre en général. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucune raison pour qu'une catgirl fasse des choses comme ça, non ? Je suis désolé. Le visage de Vanille était tout rouge de rage pendant que je m'excusais. C'est comme ça que... C'est ça le visage de Vanille quand elle est fâchée. C'est difficile de reconnaître la fierté d'une catgirl. Dans ce cas, on devrait se dépêcher de retourner à la pâtisserie, ou à la boulangerie, pardon, pour l'ouvrir. Après tout, l'ouverture, c'est demain. Chocolat et Vanille vont vous aider, maître, de toute façon. Ça va être une journée difficile, je compte sur vous toutes les deux. Je suis sûr qu'elle allait pisser dehors. Obligé, va falloir qu'il leur apprenne à aller aux toilettes. Hein. Bienvenue, est-ce que vous avez décidé de votre commande ? Vous êtes allé une fois au Japon, normalement cette phrase-là vous sort par les trous de nez tellement il vous la hurle dans les oreilles à chaque fois que vous rentrez quelque part. Il n'y a pas assez de cœur dans ce que tu dis, il faut que ça soit plus flirty and sexy. D'accord, c'est pas un maître café là qu'on fait tourner. Plus sexy. Ok, je vais essayer encore une fois alors. Ok, maintenant c'est un maître café. Non, en vrai, c'est de ma faute. Oublie ce que je viens de dire. Juste pour mémoire, on n'est pas ce genre de boulangerie. Oui, c'est ce que je disais.
bienvenue. La recommandation de notre boulangerie, c'est les gâteaux. C'est bien si un client rentre dans la pâtisserie et que tu lui recommandes des gâteaux. Mais ça serait embêtant si on lui recommandait autre chose que des gâteaux, non? Oui, c'est vrai aussi, mais... Pendant que je préparais les choses pour demain... Le poster girl where off the side acting rating. Poster's girl, ah d'accord, ils l'utilisent comme appât pour faire rentrer les clients. Et elles sont donc en train de s'entraîner. Je pensais qu'elles allaient m'aider plus tôt, mais en fait, bon tant pis. Bon, en tout cas, tout ce que je suis en train de, ce que j'ai à faire peut être fait par une seule personne dans tous les cas. C'est bon. J'ai le goût de la custarde, c'est la moutarde hein, que je viens juste de mettre. Le goût n'est pas uniforme et le goût est uniforme et la amasa. Attends, la sweetness, amasa, c'est le côté sucré. Et bien, et bon. Bon, je dois travailler sur les tartes maintenant. Oula, qu'est-ce qu'elles ont ? Qu'est-ce qu'elles ont ? Est-ce que vous voulez goûter ? Ah, elle est grosse ! Je leur tends le pot de moutarde avec une spatule dedans. Ah, je leur tends la spatule avec de la moutarde. Ça se mange pas comme ça, de la moutarde. De la moutarde, c'est pas sucré, what the fuck. C'est bon, maître. C'est vraiment très bon, c'est vraiment très, très tout doux, ça me donne envie de d'en lécher encore plus. Et l'onomatopée, quand on lèche en japonais, c'est pelo pelo. Maître, est-ce qu'on peut goûter une deuxième fois? Moi aussi, je voudrais un deuxième tour, s'il vous plaît. Ok, j'ai compris. Mais ça, c'est le dernier, d'accord? Je leur donne une petite cuillère chacune. Ok. Rapidement. Comme des chats. Les deux, elles ont complètement léché la cuillère. Ouais, bah j'imagine que leur côté un peu direct les rend encore plus mignonnes. Même si j'ai demandé de l'aide et qu'elles sont juste... Ce sont juste des cat girls après tout. Ouais, elles l'aident pas du tout, quoi. Non, c'est pas vrai. Chocolat peut aider le maître. C'est comme si chocolat était venu là uniquement pour pouvoir goûter ce que le maître faisait. Oh, ne saute pas comme ça tout d'un coup, c'est dangereux. Moi, je suis une eco-girl, alors ça me va si c'est juste pour goûter les plats. J'en veux un deuxième, maître. Ouais, là, si t'en reprends, c'est plus goûter, là. C'est carrément manger le pot. C'est pas grave, si on en a plus, chocolat on en fera encore plein. Ne vous inquiétez pas. Ah, chocolat, elle est pleine d'entrain. Quoi ? Il ne faut pas se laisser embarquer par toute l'excitation. Arrêtez-vous là, maître. Nya, vanille, let me go. Off me. Ah, elle monte dessus en fait. Ça va, je vais refaire. Chocolat, regardez le maître le faire. Donc ça, tout se passera bien. Laissez Chocolat essayer. Ça va partir en couille. D'abord, il faut mettre du lait dans le bol et ensuite... Ensuite, il faut sortir les graines de tournesol, c'est ça. Vanille abine. Ah non, c'est pas des graines de tournesol, c'est des graines de vanille. Les clients ne sont pas des hamsters, tu sais. Chocolat, puisque tu as l'opportunité d'en faire, fais-en plein. Et comme ça, on sera au paradis de la moutarde. Ok, laisse-moi faire, chocolat. Mettre de la crème fraîche dedans devrait le rendre encore meilleur. Laisse-moi faire. Attends, c'est lourd.
Ah, chocolat, est-ce que c'est ce qu'on appelle quelque chose de terriblement dangereux? Ça va partir en couille. Qu'est-ce qu'ils ont renversé? Vous savez quoi, on va arrêter là, et puis comme ça, ça vous teasera pour le prochain épisode. Comme d'habitude les gens, n'hésitez pas à partager vos impressions tout simplement sur les mauvaises traductions éventuellement que j'ai pu faire, et à me donner tout simplement vos avis par rapport à cet épisode. N'oubliez pas que vous pouvez me demander d'autres Let's Plays visual novel, hein. Je noterai toutes les idées et je les ferai à la suite de celui-là. Dans tous les cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes, et n'oubliez pas que vous avez une playlist pour regarder tous les épisodes dans l'ordre si vous arrivez en plein milieu de série. Et je vous dis à très bientôt, ciao !